Wouh! Hey! Salut à toutes et à tous, c'est Dia et on se retrouve pour un nouvel épisode de Limbo. L'épisode précédent, on a galéré comme pas possible. Genre, bien prise de tête là. J'ai cherché depuis. Rapidement. Hop là! Les clairs qu'il faut. Oh. Et la caisse après sur la tête, elle est merveilleuse. Ça commence magnifiquement bien. Il est clair qu'il me faut deux caisses pour le. L'espèce d'énigme là qui est à l'autre bout. Avec les deux escaliers. Sauf que. Les caisses là, il n'y en a qu'une seule. Du coup, la grande question est où se trouve la dixième. Et. Par rapport à ça. J'ai été faible, j'ai demandé à mes amis, mais où est la deuxième caisse? Celui-ci a répondu par une phrase un peu plus énigmatique, du style va au-dessus de l'ascenseur. Ok, c'est bon. Du coup, on va le faire, et figurez-vous qu'il y a une zone par ici. Magie! Bon. Du coup. Elle est là, notre deuxième caisse, elle est là. Quoi? Oui, donc l'explication c'est vraiment arrêter, hein, elle va au-dessus de l'ascenseur, tout ça. Pour le reste, bien entendu, il faut que je me débrouille. Alors attends. Yo. Si je fais venir là. Hop. Bon, j'ai loupé en fait là. Peut-être moyen de la faire venir comme ça. Ok. Ah. Il y a moyen, je suis sûr. Ouais. Ok. On a notre deuxième caisse. Allez, c'est parti. Comment je vais. Je peux pas la faire passer. Ah, mais peut-être qu'avec la gravité, c'est pour ça qu'on a une pente. Machin truc. Okay. C'est bon. Je vais mourir. C'est bon. J'ai peur. Ok, à partir de là, on devrait avoir notre deuxième caisse, du moins j'espère. Sinon, je vois pas comment faire. Et vu que j'ai pas mon pote sous la main, c'est internet qui devra m'aider. Enfin bon, chercheur, on est pilote pour chercher. C'est vrai. Hop. Allez, une caisse. S'il vous plaît. Une caisse. Yeah. Bouya. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir arriver à l'autre puzzle et le passer tranquillement. Du moins, j'espère. Pour l'autre puzzle, ça a l'air d'être surtout du réflexe, hein. Pas tant de la réflexion, mine de rien. Les caisses, tendez une bas. J'ai l'impression qu'elles glissent plus quand elles sont sur le plafond que quand elles sont sur le sol. Une ici, une là, et on n'en parle plus. Le tout, c'est de les mettre au bon moment. Mais ça fonctionne. Bon, ça c'est fait. Ensuite. Ensuite. Ok. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, très bien. Ah!
Très bien, il faut que celui-là soit élevé, pas l'autre, ok. D'accord, très bien, très bien. Très bien, ok, d'accord. Comment je fais ça, moi? Je sais, normalement il doit atteindre le plafond avant l'autre. Dès qu'il l'atteint. Ça n'a pas marché. Normalement il est censé atteindre le plafond avant son copain. Parce que bon, il est plus élevé. Hop là, là on est chaud là de nouveau, là c'est bon, c'est la fête. Ensuite. Ok, d'accord. Si je reviens là-dessus, il faut du tour pour l'avoir. Ça va être problématique ce truc. Mais bon, oui, c'est le même principe qu'on avait déjà eu avant. Le changement de vitesse permet de. Oh, j'ai été trop tard. Mais en gros, si le machin s'arrête, il va pouvoir redémarrer ensuite à fond vers le bas. Il va pas prendre le temps. Là, ça fait comme celui-là. Il va perdre de la vitesse en faisant des tours. Wow! Ça marche. Aucun problème. En plus, super nice. Allez, allez, allez. Peut-être que j'y aille direct en fait, je réfléchis pas. Ouais, on va essayer. Oh, j'ai loupé. Ça va être ça en plus, faut y aller direct. Go, go, go. Ouais, c'est ça. Ah. Ensuite. C'est très bien, c'est trop tôt, très bien. Ok, on est bon, on est bon.
vite, vite. Non, 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 non. Oh, on vaut mieux ça que des insectes, quand même. Oui, il vaut mieux ça que des insectes. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Go, 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 go. Ah, c'est un truc... sans faire n'importe quoi. Je croyais que c'était mon saut qui avait commencé à faire un saut de folie et tout, mais en fait pas du tout. Oh, je touche le bout du notre pied. Ah ok, c'est dans le son là qu'on sait si on y est presque ou pas. Avec la, l'alliance des deux, d'accord. Ah non, c'est joué l'activer, moi. J'ai appuyé sur le bouton, je pense que c'est ça. Activer au retour. Si tu peux l'activer au retour. J'étais au retour là quand je l'activais. Même pas. Lance hein. C'est quoi ce slow-mo? Depuis quand on a des effets comme ça dans Limbo? Des particules et tout. D'habitude c'est nos morts qui ont droit à des effets, mais... Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et c'est trop joli pour être une mort. Ou alors t'es censé mourir à la fin en plus.
Ah bah t'as fait tout ça, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas qui tu es. Tu as été joyeusement baptisé Tom, parce que un mec s'amuse à mettre des noms partout. Mais mis à part ça... Bon voilà, on va te demander de faire plein de puzzles, tout ça, machin... Et tu vas mourir à la fin. J'espère que t'es heureux. Mais il est vraiment en train de mourir en plus. Ou alors c'est de l'herbe qu'ils veulent. Bon, le mec il arrive juste à faire un saut de 2 cm de haut, je pense pas qu'il survive à ça. J'adore. Il est en train de se faire dégommer la tête, raser le visage contre le gazon. On passe ça en slow-mo avec un petit son d'ambiance en mode... C'est beau. Donc, le mec il se fait ratatiner par terre, il s'en est mangé plein la gueule pendant tout le jeu. Ça fait quoi? Ça fait 5 heures que je suis dessus là, 4-5 heures qu'on a fait de jeu, je sais plus. Je sens que sur Steam il marquait 4 heures quand j'avais commencé la session, peut-être ouais 4 heures, un truc comme ça. Mais 4 heures où il se reprend mais plein la tête. Et il est mort là. Bien joué. Ah ouais, je peux vraiment plus rien faire. Ou alors je la crash, mais je pense pas vu que... Non, il a pas crash, il y a les effets de lumière qui continuent. Non, du coup... Ah non, il est réveillé. Il est réveillé, le petit, mais oui. Hey, salut toi. Ok. C'était juste un gros trip, je pense. Bon, par contre, on est revenu dans la nature en mode bon, on était dans une usine machin, c'est fini. Retour au point de départ. Je sais plus si la map d'ailleurs commençait comme ça. Je peux plus sauter par contre. Ah, c'est la fille qu'on a vue avant. Est-ce qu'elle va disparaître? Avec une cabane et tout, pareil. Le seul personnage féminin du jeu d'ailleurs, ou qui apparaît comme féminin. Avec des canons féminins, genre des cheveux longs, quoi. Ah, ça fait un peu... je peux plus rien diriger, c'est une cinématique. Salut. Oui. Ah! Ah bah oui, si c'est la seule cinématique du jeu, il faut bien que ce soit la fin. Ok. Très bien. Très bien. Bon, bah, je vais donner rapidement, très rapidement, chaud, une petite conclusion hâtive là-dessus. Un jeu très très intéressant, ma foi, pour son ambiance, son graphisme, son son, excellentissime son. Bref, tout ça. Mais bon, tout ça, il n'y a pas vraiment besoin de que j'en parle encore et encore et encore. De toute façon, vous l'avez vu, les vidéos sont là pour ça aussi. Quand bien même le son, je suis désolé encore une fois, mais je le gaspille un peu parce que je parle en même temps. Et oui, j'aime ça. Pour le reste, en termes de jeu, vraiment, vraiment sympa, des bonnes idées pour les énigmes, les choses comme ça. C'est plutôt fluide, enfin, quand je dis fluide, c'est-à-dire qu'on peut les... On les termine sans trop de problèmes, sauf à la fin là où j'ai les deux derniers épisodes là j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du jeu. Bon, c'est normal aussi que le jeu devienne plus difficile. J'imagine que oui, c'était notamment le coup de la deuxième caisse à trouver où j'ai tout simplement été jusqu'à ne pas y arriver de base. C'était du challenge d'exploration, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fallait la trouver tout simplement. Et qu'après, la résolution de l'énigme en elle-même n'était pas plus compliquée qu'une autre. Je pense que l'énigme la plus dure à résoudre directement, sans idée de chercher, enfin d'explorer pour trouver un élément pour la faire, c'était celle avec les deux caisses en bas. La première fois qu'on rencontre le système de gravité, il faut en utiliser une comme timer. C'est une considération qu'on n'a pas directement avec les caisses, et du coup. Là où j'ai le plus de mal. Mais autrement, bon, les énigmes sont plutôt bien passées, j'en suis plutôt content d'ailleurs, parce que bon, c'est pas que mon cerveau ait quelques problèmes, mais je suis pas non plus un grand prophète du casse-tête, donc plutôt content qu'on ait pu le faire de bout en bout, et sans y mettre 10 ans non plus, quoi. Il y a juste un épisode ou deux qui ont
cut. Je sais pas s'il y aura du cut dans celui-là, je sais plus vraiment. Si j'ai galéré suffisamment. Je crois pas, mais bon, on va dire qu'il y a un épisode qui a besoin de cut, mais sinon c'est la fête. Donc vraiment sympathique. Les challenges de plateforme, tout ça, très sympa aussi. Le die and retry, bah, ma foi, très gentil sur les checkpoints, merci beaucoup. C'est pas frustrant du tout. C'est juste, ça se fait, tu te fais avoir une fois, tu te dis ah bah mince, tu refais et ça va mieux quoi. Enfin, c'est un die and retry gentil et très sympathique à suivre. Dans un monde on ne peut plus glauque et moins sympathique à vivre. Et enfin la narration, l'histoire. Eh ben dis donc. C'est là que ça finit. La narration et l'histoire. Enfin bon, l'univers, voilà, je vais pas m'étendre dessus. Sympatoche comme tout. L'histoire est super ouverte, la narration super implicite. Enfin, voilà quoi. C'est basé là-dessus, j'imagine. Sur le fait que nous-mêmes, on va se faire notre propre. Histoire énoncée entre guillemets, parce que bon, il y a une histoire formelle, hein, ce qui se passe à l'écran tout simplement. On se fait poursuivre par une araignée, on arrive là, etc. Mais il y a une histoire aussi qu'on va essayer de s'énoncer soi-même, en mode qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quelles sont les significations de la barque, du machin, du nul, qui était ce petit garçon, qui était cette fille à la fin, qu'est-ce que c'est que cette vitre qui s'est brisée ensuite, enfin bref. Est-ce qu'il traverse les âges, là chaud, histoire de sortir un truc, parce que c'est sympa de sortir des machins et de se poser des questions tous ensemble et de dire ouais c'est ça, non c'est pas ça, bref, de faire un débat là-dessus. Personnellement on va dire que Tom a traversé les âges, Tom est mort tout simplement, il a passé là avec la barque là le mix je sais pas quoi. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'Unix, je vous renvoie à la mythologie grecque avec la barque de Carotte. Je sais pas comment on prononce ça, Charotte, Carotte, enfin, bref. Il a traversé les âges, hein, un âge très primitif, suivi d'un âge un peu plus. Avec une civilisation, une espèce de tribu pas très accueillante. Le côté primitif qui le poursuit. On continue par là avec de l'industriel. Voilà, des usines, des rouages. On continue encore. Bon, il y a des câbles au milieu, je sais pas pourquoi. On continue sur les toits d'une maison. Enfin voilà, l'industrie qui continue, l'expansion de la civilisation. Toujours assez désertique par contre. Bah oui, on remarque d'ailleurs qu'il n'y a que des gens quand c'est les tribus et les machins comme ça. Après, des gens quand t'es dans des usines et tout ça. Bah oui, je suis bête, parce que quand t'es dans les usines ensuite et tout est robotisé de toute façon. Il n'y a plus besoin de personne. Donc les gens sont partis, ils ont pris des dépouilles. Ensuite, on continue dans l'automatisme. On arrive même dans la science-fiction avec l'antigravité. Qui doit peut-être exister, oui, j'imagine. Jusqu'à arriver au point de retour. Point de départ plutôt. On a traversé tous ces âges, on a traversé tous ces mondes, toutes ces époques et on arrive auprès de, on va dire notre sœur, hein, histoire de faire bien, la jeune fille qu'on a eu l'occasion de voir, qui est sur notre tombe. Devant une cabane. Voilà. Une interprétation parmi tant d'autres. J'espère que cette aventure vous a plu, j'espère que Limbo vous a plu aussi. Personnellement, je l'ai trouvé rudement sympathique. Peut-être un peu trop ouvert au niveau de sa narration, un peu trop ouvert dans son histoire, dans ses interprétations. J'aime bien les interprétations, il n'y a pas de souci avec ça, surtout quand il s'agit de métaphores, de machins comme ça. J'aime bien en parler de temps en temps. Pas passer 10 ans dessus non plus, mais de temps en temps en parler, c'est toujours sympa. Mais là, il y avait peut-être un peu. Enfin, il y a tout qui oppose là-dessus, quoi. Donc, bon, c'est sympa, mais. Heureusement que toutes les histoires sont pas comme ça.
Oui, j'espère que le jeu vous a plu, que l'aventure vous a plu. Qu'est-ce qui aurait pu plaire autrement, ce qui se passe sur la chaîne en général, votre vie, toutes vos activités, je sais pas. On se retrouve pour d'autres aventures, j'espère beaucoup. Et d'ici là, portez-vous bien. À toutes.